Ce qu'on espère, c'est de trouver, on va dire, la solution juridique qui nous permet de chasser de façon tout à fait responsable, convenable, ces oiseaux et plutôt les manger chez nous en rillette ou en ragoût, plutôt que les voir détruites, partir à l'écarissage tout simplement. C'est ce que c'est scandaleux. Si vous voulez les actions, on peut les foutre le bordel, mais est-ce que la France, qui est déjà bien, entre guillemets, compliquée depuis 3 mois, je pense que nous, là, c'est plutôt une résistance pacifique, une résistance cinétique pacifique, d'occuper le terrain et de se battre avec les bons arguments pour avoir une décision qui nous soit favorable l'année prochaine.